et que la croissance est de l'ordre de 1,8%, et bien par contre, comme le PIB augmente plus vite que le nombre de retraités qu'il va falloir prendre en charge, et bien, malgré l'augmentation démographique du nombre de retraités, la part des richesses qu'il va falloir consacrer aux retraites va baisser en rapport au PIB. Donc cela pour vous montrer que c'est tout à fait soutenable. Mais il y a un dogme politique qui a été énoncé, qui est le suivant. Il ne faut pas que, dans les décennies qui viennent, on consacre plus de 14% du PIB, des richesses produites, pour financer les retraites.